C'est fantastique. Ah oui, monsieur McEnroe, regarde Ivan Lendl. Et les yeux de Lendl. Et je crois que McEnroe a insulté le Tchécoslovaque. Pas hésité à prendre la balle très tôt. McEnroe a eu un geste que je ne lui ai jamais vu faire pour ma part. Plus détendu pour la fin de cette manche. Montée trop courte là. Oui, ça c'est un coup lâché. Belle volée d'if. Oui, monsieur Lendl. Oui, 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 très astucieux, Ivan Lendl. Et à son tour, Lendl a levé le poing au ciel. 2-7 partout entre les deux joueurs. Une finale d'une intensité exceptionnelle. Alors que nous arrivons à la troisième heure de jeu et que McEnroe a eu peur de toute évidence sur cette volée. Je... Ça serait quand même extraordinaire, Hervé, qu'Ivan Lendl parvienne à gagner cette rencontre dans la mesure où il était totalement dominé. Oui, ah, c'est extraordinaire, il use McEnroe là et en plus il lui met des coups d'assommoir à la fin du point. Bravo, monsieur McEnroe. Ces conditions, c'est très fort. Il est tombé. C'est encore un signe pour... Oh là là, c'est exceptionnel. Le McEnroe. Il y a chez McEnroe actuellement une volée. Oh,
ne suis pas d'accord. Je vois cette balle pleine ligne. Voulez-vous confirmer là ? Voulez-vous vérifier la frappe, s'il vous plaît ? D'ailleurs, Jacques Dorfman a un doute et pour la première fois demande à un juge de ligne de venir vérifier la trace. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. There's no mark where he just did it. That was right on the line. No, but he didn't. No, but he didn't say he. There was no mark. There was no mark where he did it. No, but Jacques, he didn't. There's no mark there. There's no mark where he did that. You can't look. En l'appelant affectueusement par son prénom, mais il n'a pas montré la bonne marque. Selon lui, il n'y aurait pas, il n'y aurait pas de marque du tout. Oui. Et qu'il ne peut pas en montrer puisqu'il n'y en a pas. On est bien en mal de... Là, ce service est aussi pleine ligne, la même chose. Je ne suis pas d'accord. Voulez-vous vérifier la marque, vous pouvez. Voilà, l'aide de la demande à M. Dorfman, que le juge de ligne a vérifié la trace. Il ne va pas. Et alors là, si, s'il ne sait pas où elle est, et si le point est donné à Lendl. Oh là là, McEnroe. Il va savoir qu'elle est bonne. Qui est assis, j'en peux l'échanger. L'arbitre revient sur sa décision, deux balles. Oh, deux balles. Ça fait 15-0 dans ces cas-là quand même. Car John McEnroe n'avait aucune chance de toucher cette balle. Justice est faite. Et McEnroe dans une attitude que... Formidable la façon dont Ivan Lendl a lâché ses coups. Là, il n'a pas peur, le Tchécoslovaque. Du public, tout le stade est debout, scandant pour certains Lendl, pour d'autres McEnroe. Et pour ces deux joueurs, ça doit être quelque chose de merveilleux quand même. De la part des deux joueurs, c'est étonnant. Quelle finale! Cet amorti dans une position si difficile. Et puis encore, Lendl fait à contre-pied, malheureusement pas assez long son petit lob. Et puis, ce passing shot extraordinaire du Tchèque.
Oh, 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 petite crampe. Croisé le long de la ligne. Tous les coups du tennis y passent. Exceptionnel ce passing shot. Il n'a pas été à la fête pour gagner son service. Et là, deux reprises, gagné blanc sans aucun problème. Ça devrait mettre. Extrêmement déçu qu'il était au bord des larmes en recevant son trophée des mains des mousquetaires. Et cette image que nous garderons pour une année, celle du visage radieux d'Ivan Lendl.